Ah, Swissair, une compagnie mythique connue dans le monde entier pour son excellence, sa ponctualité, son hospitalité. Bienvenue à bord de Swissair. Je peux vous proposer un petit massage des épaules? Ah ben, bien volontiers. Je continue, hein, oui, vous permettez. Une entreprise qui, à la fin du XXe siècle, jouait dans la ligue des plus grandes compagnies internationales, avec un réseau de vols vers 120 destinations à travers le monde. Jusqu'à ce qu'un jour... Mesdames et messieurs, ici votre capitaine Newcom Schmidt. Nous devons malheureusement nous interrompre ici car Swissair subit actuellement un grounding définitif suivi d'une faillite catastrophique en raison d'une équipe de managers incompétents et mégalomanes. Je vous remercie d'avoir choisi Swissair durant ces 70 dernières années et je vous souhaite une excellente suite de voyage. Comment en est-on arrivé là? Petit rappel en image. Swissair est créé en 1931 en tant que société anonyme et devient rapidement l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses. Elle est même la première en Europe à employer des hôtesses de l'air. Après avoir dû cesser son activité durant la Seconde Guerre mondiale, Swissair sera sauvée par les pouvoirs publics et devient la compagnie nationale. Elle se développe au fil des décennies avec beaucoup de succès, la neutralité et le secret bancaire faisant de la Suisse une destination prisée. On apprécie tout particulièrement sa première classe. Duty free! Duty free! Yes, I want to buy 17 diamond necklaces, please. Oh ben, ce serait dommage de ne pas arrondir à 20, non? Ok. 30. Can I pay with gold? Swissair est même surnommée la banque volante en raison des grandes quantités de liquidités qu'elle parvient à dégager. Dans les années 90, les managers à la tête de la compagnie investissent massivement dans d'autres compagnies aériennes. On appelle ça la stratégie du chasseur. Oui, c'est une stratégie sympathique. Tu rachètes les entreprises qui sont à l'agonie, comme Sabena ou Air Littoral. Tu vires la moitié de leur personnel pour faire des économies. Tu récupères leurs jolis petits avions et leurs droits de trafic. Et tu espères que tout se passe pour le mieux. Malheureusement pour Swissair, tout ne se passe pas pour le mieux. Les cartes du marché de l'aviation sont rebattues par la montée en puissance des compagnies low-cost, des crises économiques à répétition et les attaques terroristes du 11 septembre. Swissair finit par être tellement endettée qu'elle ne parvient même plus à payer son kérosène. C'est le fameux grounding du 2 octobre 2001. Un choc terrible pour tous les employés de la compagnie. Pour moi aussi, c'était très dur en tant que manager. J'ai pas eu droit à mon bonus cette année-là. Au lendemain du grounding, la Confédération et différents partenaires privés créent une nouvelle compagnie, Swiss, qui reprend une partie des activités de son prédécesseur. Aujourd'hui, Swiss appartient à Lufthansa, compte à peine un dixième des employés du groupe Swissair de l'époque. Ses principales destinations se situent plutôt en Europe et notre compagnie nationale essaye tant bien que mal de faire perdurer ses valeurs d'excellence dans un contexte de plus en plus incertain. Mesdames et messieurs, nous subissons actuellement quelques turbulences en raison de la 18e vague de coronavirus, de la hausse vertigineuse du prix des carburants, de l'invasion du Mexique par les États-Unis et de la menace d'une troisième guerre mondiale. Par mesure de précaution, je vous prie d'attacher votre ceinture de sécurité. Je vous souhaite une excellente suite de voyage et je vous remercie d'avoir choisi Swiss.